innocent dans gang Kokorat Salas là. Ah ben nous te connaît. On va regarder ça. Pour ça me tourne à monsieur sur l'écran. Nous songe hier nous t'ai parlé de Yuri la tortue que ne pas attendre quelque temps pas ça. Et puis monsieur Foncil font paraître là. Ça devient Jean-Saudi la Haïtienne. Qui s'est passé? Monsieur Vina en l'eau bagaille là qui dit que il y a un rapport enquête que le menait sous nèg qui a entré zam dans pays. Mon songe, on t'a bail mission petit tap tout petit zuit ayen de dit monsieur. Mais attention papa. Dans bagaille là Tibonita les gros amis toujours il est là depuis le monsieur tapo. Monsieur dit qu'on pas ou pas ta innocent dans ça qui a passé dans la Tibonite là. Eh même pas connait nous pas nèg la Tibonite. Mais plusieurs monde toujours plein ça. Eh bien, il y a fini parler pour un chef gang Kokorat Salas là. Ah, monsieur pété les plans. Ah, monsieur Gaïba, yo papa. Monsieur Gaïe, côté yo, bon, fait un petit calan, quoi, tout petit, pour m'arriver. Question l'église épiscopale là. Yo te découvri deux conteneurs. Eh bien, deux conteneurs, ça yo. C'est deux derniers conteneurs. C'est environ 29 conteneurs. 9 conteneurs. Qui rentrent. Avec ça. Claire. 2022. 2021. À Bali. Environ 29. Et 2018. À 2022. C'est plus d'une centaine de conteneurs. Je dis à moi, il y a une donnée sur tout le conteneur. Qui rentrerait avec ça? Qui rentrerait à travers les finances, à travers la douane et complicité du gouvernement qui était décidé depuis 2018? Fait ça rentrer à mes quartiers populaires qui ont été campés contre la manifestation. Aïe, 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 eh bien, ça nous dit qu'il y a fin de parler, monsieur. Donc, il y a une donnée correctement, les âmes qui rentrent pour armer ghetto, armer quartiers populaires. Pour te gourmer contre manifestation que tu as fait. Vous comprenez ça, nous, donc. Là, monsieur, il a parlé sur Jovenel Moïse. Bien sûr. Eh bien, écoutez la société. Viens garder avec moi, parce que je suis un café fou là, sur réseau, qui est affiché photo de l'appli. Je ne sais pas si tu parles, non? Il a affiché au dossier de l'appli. Il a pas de c'est photo, ça me prend le balage là, c'est mon chèque qui parle. Je me présente un nègre déjà, mon chèque. Pas de respect pour t'aider, oui. C'est mon chèque qui parle parler, nous, là, il a parlé sur dossier. Mais là ça Barbie, t'as pas l'air de féliciter Barbie pour engagement le prend pour le boucaner. Et Barbie, on a dit le Barbie, mandé Barbie shop, on a dit Barbie, il y a monsieur, t'as pas l'air parce que il a félicité monsieur pour engagement qu'il prend pour le camiter justement tout chef gang ensemble qui donc son gros responsabilité etc. Et puis qu'on y a et puis monsieur a expliqué Yuri, il dit même, il pas considéré non Yuri, mais fois ça justement, faut qu'il dit bah l'argent lié, il pas forcément dit c'est Yuri qui fait le camp des armes, mais c'est Yuri créé qu'on corrige sans race. Ah bah parole là, côté mon chef, mais côté chef gang là. Yeah.
c'est ça, petit peu manger. Il y a des liens pour avoir 6 000 routes, dans l'enveloppe, pour 25 000 routes, comme si on plus enveloppe, fait plus enveloppe pour tirer sur la mur. Bon, c'est comme ça même. On est là, fait plus comme ça, les gars, venez de la moto. Après, ce que nous avons fait des sacs en ville là. Mais tout ça, c'est une idée de mon naïf. Mais ça, le détruit pas ça, oui. Ok. Et bon, là. Je vais tout seul dans mon métier à Boto. Je fais un personnage, je fais un personnage là. En parlant de Yuri, je fais personnage là. Après, je suis venu à la boule. Je dis, et nous, on m'a traité. Autant de gens, je m'en vais. Je traité. Et je fais un personnage, je vais me rendre là. Pour lui, je vais me rendre là. Je vais me rendre là. Tout ce qui se passe dans la zone. Parce que la zone, maintenant, après, je suis venu à Boto. 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 Je là, c'est comme un boulet business pour nous, comme un boulet paquet. Vous savez, vous avez utilisé ma boule fessier, même fou même. Vous avez FM, ça parle bon, mais ça tient là, FM. Vous voulez ma boule au divin, mais laissez-la au milieu là sur la boule. Vous voulez ma boule à la justice, parce que c'est une équipe de quoi. Tout ça, c'est l'équipe de la responsabilité, ça y est. Mais toujours, on veut le barreau de la boule. Il y a boule, je vais dire, mais ça c'est lundi, mais ça c'est lundi. Cité non, pas mais à boulot. Et ceci, en pile moun na go naïf qu'on est non ça. Tendez la société. Ou en sot passé Yuri qui parlait de conteneur yo. Par contre, qui le monsieur te parlé avec Ali là, que nous a dit le dibabé, bon, par contre, si pour le boucané ou bien l'autre. Mais audio a d'ailleurs plusieurs policiers l'autre ami partagé là moi matin. Quand ça me pose une question, me dit monsieur mais écoutez. Pour qui ça? C'est immédiatement Yuri fin parler de conteneur zam qui rentre yo et puis audio ça après la rue. Alors faut me dire honnêtement, on pas qu'à confirmer tout ça monsieur a dit yo, mais gen bagage monsieur dit là. En pile moun go naïf, tendez déjà. Est-ce que c'est vérité? Nous pas connaît. C'est Yuri la tortue à conscience li, avec l'autre moun qui connaît, qui capable de dire est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est menti. Toutefois, comme moun qui est lucide, nous avons seulement gardé le temps que audio a sorti, c'est à immédiatement Yuri fin sorti un rapport, côté que la palais de conteneur zam qui rentrait, et monsieur cité également gang yo qui dans la Tibonite et audio dans la rue. Est-ce que ça t'a vle dit nèg yo t'a veye Yuri yo pas vle monsieur parler du tout? Est-ce que si monsieur pas jamais parler mais il t'a pas parler pour te dire ça le dit jodi an, ou bien c'est parce que Yuri parler et puis ça ba monsieur gaz pour le parler lui-même? Ça on dit que c'est suspect, on comprend ça do. Parce que ça suspect mais qu'on y a tout quel suspect ou pas, pour ça c'est Yuri. C'est faut nous clair sur ça. Pour ça, bon, regardez-moi même. Qu'on y a des gens qui ont parlé au cité nom. Mais, il va se dire, comme des capoeurs en bas, non? Il a cité, m'a regardé la police qui a vidé en bas la saline. Au lieu d'être préoccupé des coups de balle, la police a tiré sur eux. C'est non tété à cité. L'autre jour, maman, malheureux, elle a mouru quelques jours là, n'a pas réussi à révéler encore. Jour et moi, oh tété, ceci, cela, cola, ceci, bagay, vous voyez tirer sur nous. Moi, même, moi, je vais tout. Je ne sais pas si la police a mené l'opération en bas, non? Ça veut dire, poussière pas toujours levé sans vent. C'est là, bah, la mélanger. Comment si un sénateur de la République, comme nèg qui a contrôle l'Antibonite, ancien président de l'Assemblée nationale, dirigeant de parti, conseiller spécial, des présidents de la République. Monsieur Yuri, c'est pas seulement ça yo que vous t'a toujours dit d'ailleurs,
Bandi Odil et même la communauté internationale yo joine données pour yo parler sur ça. Pour ça c'est où? C'est même quatre figures pour profane Victor. Pour ça c'est ça yo disolé. Je dis alors gen ferme pour ça n'yo pas dit oui yo la tortue de travail avec il pas payer au moins ça n'est pas comprendre. Donc c'est là bas l'anti crasse mélange bon. Moi même pense que on pas trouver ti John on yo dit on pas faire tout non. Ti John pas tourner l'autre John. N'attendez ça n'attendez pas mais mon ti crasse mélangé. Blanc a dit I am confused. Une confusion totale parce que ça va pas à Haïti là, il y a un petit gras mélangé. Hein? Rété. Oh, bah y a un pile ou pas? M'quitte ça, oui, m'quitte ça, m'quitte Yuri dans ton boli. Côté lié avec Mille, c'est chef gang Koukourata, mais monsieur sous l'écran, et monsieur qui chef gang non. Donc c'est monsieur. M'quitte Yuri avec monsieur, il a discuté cause yo, m'pas qu'on est bal, hein? Et bon, Edgar Leblanc, monsieur pété plafond dans Nations Unies. Mais nous avons l'impression que nous n'avons pas de chance du tout. Nous ne savons pas est-ce que ces grandes dettes nous joueraient dans mauvais la lune. Monsieur Bagafine, monsieur prononce un bel discours, un bon discours comme ça. Et puis, il y a un petit bagaille pour de l'eau qui vient rentrer dans la jouette là. Ah, si bah ça, monsieur t'a bien passé. C'est vrai, message là passé clair, mais moi, il y a des gens comme si qui pas content, mais son bail mondial lié. C'est pas dans chambre Kali non, nous t'a le prêt photo papa. Al garder sur page Nations Unies à poil, il est là. Ça vous pensez comme journaliste, ouais, si ça va chercher. C'est ça les insolites dans communication. Si vous pas faire média, on va faire communication. Bon, OK, restez là vous même. Mais tout média, on va focus sur ça, nèg gars caméra là, yo focus sur lui. Cliché ça, nèg la prend, on va pour saisir un article nèg écrit et puis on prend cliché ça pour mettre dans page couverture yo. Insolite. Mais ça pas ouit en rien dans toute qualité justement ça que t'a dégagé dans l'espace là. Mais t'es qu'à éviter ça. Mais c'est ça, il a dit l'on pas gain chance. Tout comme si même l'être cahier cassé tête nous. Nous fin font belle coup comme ça, belle coup pas. Monsieur Sapat à la France dans discours, on va faire entendre tout. On va faire entendre tout. Là avec m'a commencé pour me faire entendre toute parole honnête. Monsieur Sapat à la France dans discours. Monsieur parler avec Donald Trump, il répond Donald Trump qui dit c'est volo nous manger bête ici, bête yo. Je parle avec elle. Monsieur font un bon discours. Et m'a regardé Gary quand gratté qui dans l'assemblée. Gary Konye, ça te fait le temps, je pieds et mais moi-même, si malheureusement, Edgar pas de pouvoir le prétendre gagner. Sinon, ni Gary, ni équipe gouvernementale là, tout a prévoqué, oui, dans l'immédiat, oui, après retourner. Parce que Gary a tenté un coup d'État, un coup d'État diplomatique. Konye, moi-même, m'a bali coup d'État pour bon. M'a remplacé le chargé de qui a pour le ministre dans le pays. Il va obliger Gary Konye. A dit Gary Konye montre son bluffeur. Il montre son nek qui a cherché rang. Monsieur Alba, un coup d'État, il a parlé sur ça déjà. Parce qu'on pas président, on fait tout son capable pour déplacer la délégation par où, alors qu'on pas même fait une démarche pour président à venir. Jusqu'à ce que le recevoir l'aide, d'ailleurs, moi-même, nek t'en comme, m'a la vie encore. Peut-être que ça te fait tout, bon, faut le te prendre ça, parce qu'on est dans la vie. Chaque échec, on prend par état. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est exactement ça, Edgar Vella. Le fait qu'on connaît les trébuches, les bousculent, etc., finalement, il vient là le camper devant l'ONU et puis il parle clair à Mounio sans langue de bois. Et correct, sans mamoter, sans rien, monsieur font discours correct. Mais pour de loi anti-crasse dérangé. Oh. Ah. Rete. C'est là, petit problème. Non, bon. Est-ce que chasse même nous pas gagné? Ça compte pas de l'eau, ça a sorti là, l'entrée dans la cause là. Vous comprenez, monsieur, pas stressé. Parce que en communication, comment vous les traque? On s'acte traque en communication. Patrice Salomon parle de ça, il a parlé de ça. Puis bien, Michel de Parien, Mette Camille, Papi Jacques, Amanda de Mouche, côté Lila, je salue lui. Là, il s'en a parlé de traque. Puis traque en communication, vous voyez, ou devant, ou assemblé. Et puis, ou a parlé, et vous sentez papier à trembler dans mon. Vous sentez comme si sué à vider dans la main. Et puis, ou pas à camper droite. Vous comprenez ça, vous voulez ça traque en communication, ou traquer. Monsieur, pas traquer. Par contre, ça qui passe, mon cher, c'est soit prendre l'eau, faut garder de l'eau, mon cher. Si monsieur regarde de l'autre côté, et puis pour avoir une direction, et puis il pas ouais. Ah, mon cher. Si y'a pas de pour là, papa, il 10 ou 10 net, oui. Mais malgré tout, nous avons monsieur 8,50. Nous avons 8,50. C'est pour de l'eau, ils font effet, ils ne sont pas obligés. Mais c'est pas là, là grave, non? On connaît. Ça qui a fait plus effet que discours en lui-même. Parce que c'est ça, nos besoins sur les réseaux, fait boss, etc. Et ça faut après on prend mais après on chou là qui parti de loi parce que c'est pas ça qui est important c'est parole qu'a dit monsieur prononce son discours correct et Gary Konye pas gain dimension pour te prononcer discours ça et là monsieur parle pas entendre ça l'a dit
hein, ça dit voilà même qu'on est ça va dire tu sais Gary connaît, ça dit que c'est gros parole les gars va la poser des qualités causer ça autour parce que le pipe Mounio qui est Gary Blanc c'est des gars fin grand monde ça ouais là au ballon petit bagarre pour dire le comprendre mais son belle bagarre dans fin vient parler Nations Unies ça fort grand monde là et l'esprit Voltaire monsieur fin à royo l'enragé même si il humilié il parle tout côté non pas sous lui si pas connait mais là faut qu'il présent faut qu'il présent. Son père est difficile, monsieur. Et moi, j'étais chanté, c'est ma femme, il faut le garder contre bouche libre. Allez, Jean-Jude, Claude. Il faut le garder. En tout cas, David Sousa, tout à l'heure, ensuite, on va aller plutôt dans les Nations Unies avec Edgar Leblanc, fils, qui débarquait aux Nations Unies jeudi. Hein. Monsieur prononçait un discours, c'est un discours tête chargée. Discours tête chargée. Pour qui ça? On dit discours tête chargée. Comment on a dit? Ah ouais, on paye difficilement, papa. Edgar Leblanc, entendait en grande partie discours, monsieur. Je vais faire entendre tout discours, monsieur. Au senti qu'on voulait le copavlel, c'est un nègre qui était chiré, timaliste qui a parlé. Son nègre qui maîtrisait le sujet. Son nègre qui connaît. Et monsieur parle clair, ou tandis ça l'a dit, c'est pas n'était ou gari koni ka parle ni créole ni français, ou pas comprendre ça l'a dit. Sauf que monsieur parle correct. Toutefois, moi-même, pense que, gade équipe gratte, gari saisi, gade ta gari pas honte, monsieur gade gari koni. C'est pour ça que t'as boumé en la, qu'elle a mangé là, gade chital. Mais l'autre femme n'a même le côté là. M'ta prévoqué tout si m'te gen pour voir ça. Et ben gratte. Gade, ou l'esti volte nan koral même. On gratte lié tout. Vous comprenez, tandis. Notez quelques bagages dans le discours que nous attendons. Par exemple, sous tribune Nations Unies, Edgar osé. Parce que il y a un pile déclaration monsieur fait, c'est déclaration osé. Kouvlel, kouvlel. Par exemple, côté monsieur évoqué le nom de Jean-Jacques Dessalines. Son discours qui paraît osé. Parce que debout, conseil de côté, il n'y a pas cité non papa nation. Toutefois, si nous avons fait une analyse pointue, il y a une incohérence. Parce qu'on pas qu'à jodi à vénérer Jean-Jacques Dessalines et puis on a demandé pour une force occupation étrangère venir dans le pays. Vous comprenez ça? Donc, ça, il vient d'Anticras. Jean-Zami a dit il n'est pas colté. Vous comprenez? Ça, Anticras vient paraître mélangé. Vous comprenez ça? Donc, parce que discours sont bons discours liés. Non seulement pas souhaiter gain réplique gain conséquence qui baille parce que faut nous d'accord nous pas grand monde tête nous vrai et ça fait grand pile débat en fait mais est-ce que pays a li résumé ou bien li pral pi belle avec discours non nous d'accord discours c'est un commencement parce que parole yo gain effet ça qu'arrivé que parole ou prononcer yo gain monde qui comprend yo qui agit yo ka toujours réagir dans bon sens là peut-être ça ka aider yo ka prendre conscience. OK. Maintenant, moi penser si monsieur par exemple t'est avancé pendant la parole de Dessalines. OK? Et puis pour il t'a parlé de possibilité pour les Nations Unies t'a bail pays pour renforcer l'armée d'Haïti, ça l'a fait plus sens. Parce que ou gétan ensemble Edgar et tout ensemble net, dis pas là clair pour nous ou parlons foi. A dit pendant on parle de Dessalines, au lieu qu'on y va pral remercier pour force étrangère qui vient là qui pour qu'on utile loin. Puis toi t'es tout préférément de yo. Face à la recrudescence de la violence qui a augmenté dans le pays là, pour qu'il soit justement, nous pas capables, eh bien, d'aider le pays d'Haïti pour nous renforcer l'armée d'Haïti, pour nous renforcer la police nationale d'Haïti. Monsieur que, pour tout compatriote, pour tout nationaliste dessaliniste, pour me répéter, professeur Osner H. Févrite, il m'a parlé de dessaliniste, pour les dessalinistes, pour les dessaliniens. Hein, pour les Christophiens également. Donc, pour les vrais patriotes, discours a bien plus sens. Parce que si on parle de Saline, alors que on pas qu'à évoquer l'armée indigène, mais puisque je dis, de toute façon, nous avons l'armée quand même qui l'a, et bon, on a tout profité de demander, au lieu de demander forces étrangères dans le pays, hein, pour qu'ils ne pas renforcer capacité FADH, capacité PNH. Bon, garantie, discours a bien 10 sur 10, nous avons oublié ça fait type de loi. Et bien, pas fini oublier le net. Donc, on pensait que c'est là, justement, pour nous garder. Et puis, bon, là, il était plus osé. S'il était tout profiter, bah, on t'y tape sous coopération occident, parce que la communauté occidentale, bon, j'ai un qui pas fin correct. Là, on pensait, bah, yo, on t'y crasse mélangé. Cependant,
L'homme temps des discours, monsieur, a formé honnête avec nous. On pense, j'aime dire déjà, ça fait présidence tout, là, son scandale, son bêtise, et d'ailleurs, le blague capacité pour le mener et transition, hein, jusqu'à ce que nous vivions vers élection. Que, yo fal, ça fait présidence tout, non, t'as l'entendu, tu n'as écouté la marche là après photo, et puis il pensait par le président, tu n'as Claude Joseph là. Et comment, mon cher, le Smith Augustin, n'est que NCA. Vous comprenez? Ça veut dire que je pense que monsieur gagne, et capacité assez pour le temps mener transition, hein, et puis jusqu'à ce qu'il arrive vers élection, et puis éviter toute gagote qu'a fait, qu'il passe par là, etc. Ok? Donc, moi, pense en gros, c'est un très bon discours. C'est normal, c'est l'homme qui a une imperfection là-dedans, parce que j'aime bien vraiment qui est parfait à 100%. Mais son discours qui a un pile bagaille là-dedans, ben, je pense que les refléter en pile dans la réalité de vivre, je dis à, bon, me permettre de nous tendre avec oreilles, pas nous, discours, ben, Edgar Leblanc fils, qui sous tribune Nations Unies, je dis à monsieur parler, monsieur vide cause à terre, et regarder visage, regarder figure l'autre bloc frère qui là, eh ben, justement, oui, Edgar Leblanc, il réclamait justice pour les dettes coloniales devant l'Assemblée générale des Nations Unies. En attendant ensemble le discours du président de la République, conseiller président, Edgar Leblanc, fils. L'Assemblée générale. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les présidents de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous, en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pense à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans le Royaume aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations depuis notre participation
à la bataille de Savannah en 1779 nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Excellent. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée Générale, ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le Développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,
Plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022. Une augmentation